Si je pouvais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait suivre du coup cette formation escalade et canyoning, ça serait surtout qu'il faut déjà être passionné de ces activités-là. Il faut aussi aimer transmettre, travailler avec des enfants et beaucoup travailler dehors. C'est ça avant tout en fait, c'est un peu la pédagogie, beaucoup de pédagogie et pas mal de pratique aussi.